Salut les lumineux! Ah non, faut que je regarde là. Aujourd'hui, une petite vidéo super sympa parce qu'on est des mecs vraiment super sympas. Aujourd'hui, vous êtes sur la chaîne YouTube LFL Studio. Voilà, une chaîne YouTube, je pense, dont la renommée n'est plus à faire. On s'est rendu compte qu'en fait, quand vous réservez le studio, enfin, je vais dire vous, mais en fait, je vais m'adresser à une certaine catégorie de personnes. Il s'avère que parfois, ici au LFL Studio, on a différents types de shooting. Et on s'est rendu compte que la photographie étant, je crois, un des métiers où il y a le plus de reconversion professionnelle en France. Je vais mettre peut-être la référence de ce que je dis. Non. Beaucoup de photographes sont débutants et ne savent pas forcément en fait utiliser le matériel. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est pas moi qui vais vous expliquer ça parce que moi je n'y connais rien. Mais justement, ça va être l'opportunité pour moi de me mettre dans la peau d'un photographe débutant qui viendrait au studio et qui aurait besoin de savoir les bases pour pouvoir réaliser un shooting, comment installer une lumière, quelle lumière prendre, comment faire les réglages sur son boîtier, sur le flash et de quoi j'ai besoin simplement pour faire un setup lumière basique qui me permet de ne pas m'afficher devant mes clients parce que c'est vrai que c'est assez gênant. Ça la fout mal quand vous êtes devant votre client et que vous venez nous tirer le col comme ça pour nous demander comment on fait pour allumer le flash, comment on fait pour mettre le truc, je sais pas quelle lumière, ah, excuse-moi, le déclencheur ça marche pas, comment je fais pour le truc. Moi, je vous vois un peu comme ça, quoi. Ben oui, taureau, arriviste. Voici pourquoi aujourd'hui, moi, nos amis, on est vraiment des mecs super cool. On vous fait une petite vidéo avec Jérémy Bocquet, sa renommée le précède. Grâce à Jérémy, on va apprendre les bases pour shooter en studio. C'est parti. Ok, alors explique-moi tout. Venez avec moi, on va tout simplement voir comment on va shooter pour une première fois en studio. Je vais vous montrer quelque chose d'assez simple et que tout le monde peut utiliser pour de la mode, pour de la beauté, peu importe. Je vais vous montrer un setup assez simple et on va voir comment on va synchroniser le flash et l'appareil photo. Venez. Tout d'abord, on va commencer avec un trépied, la base, pour pouvoir mettre en hauteur la lumière. Alors on aura besoin du trépied, d'une softbox et bien évidemment d'un flash. Alors comment ça se place un flash? Tout simplement on va prendre par le bas, on va l'introduire ici sur le trépied et on fixe bien, sinon il peut tomber à n'importe quel moment. Faut bien fixer et ici on peut voir cette partie peut nous permettre justement de régler l'inclinaison du flash. Vous voyez? On va le baisser un petit peu. Alors là, il y a plein de poignées, dis-moi. Donc on en a deux pour la hauteur. On a celui-là, le premier, vous voyez là. Et on a un petit deuxième ici, c'est pour la hauteur aussi. Hop, pour aller encore plus haut. Ok. Après, sinon, on a deux poignées encore. On a celle-là qui va nous permettre d'incliner. D'accord. Dans ce sens-là. Et même pousser dans ce sens-là également. Ok. Il y a ces deux axes-là pour le déployer et pour l'incliner. On va le garder comme ça, hop, bien bas, comme ça on peut tranquillement mettre notre softbox. Et pourquoi une softbox alors? Simplement pour, c'est un modeleur qui permet de diffuser la lumière pour que ça soit un peu plus doux. Parce que si on utilise le flash juste comme ça à nu, la lumière elle n'est pas travaillée, elle est brute, elle part dans tous les sens. Elle part dans tous les sens et elle est assez moche. Ah ok. Pour faire concrètement. Donc avec ça, la lumière va être douce sur le visage de... La lumière va être douce, elle va être contenue en fait dans cette surface là. Ok. Et bien sûr, elle va être beaucoup plus douce. Et également, on peut rajouter aussi, viens voir, un deuxième diffuseur si on veut que ça soit un peu plus doux encore. Encore plus doux. Ok. Donc comment tu fais pour te dire que tu pars sur cette softbox-là et pas une autre? Parce que je sais qu'il y a plein de modèles différents. Et au studio aussi, il y en a plusieurs modèles. Ouais, là on va partir sur quelque chose de simple. C'est quelque chose qui marche pour vraiment tout type de shooting. Une softbox comme ça, une octobox de ce diamètre-là, franchement, ça passe pour tout. On a pris quelque chose d'assez basique. Après, les autres, ce sera pour des spécificités. Ouais, c'est ça. Après, il va falloir rajouter des lumières et tout. Voilà, on le prend ici, on ouvre ici une petite ouverture. Tu le prends ici, hop. Et est-ce qu'on peut voir les trous là? Ça là, okay, les trois encoches, trois. Et voilà, et il y a les trois trous qui sont ici. Ok. Ok, d'accord. Il suffit juste de venir l'introduire ici. Vas-y. Ouais, là, tout est rentré. Et on le tourne. Il faut que ça clipse alors. Voilà. On a entendu le petit clips. Je vais peut-être le recommencer. Pour t'entendre. Ok. Tu m'as entendu?
La lumière la plus simple, c'est tout simplement de la mettre en douche sur le modèle. Ça, ça passera tout le temps. En douche, ça veut dire que ça tombe comme un pommeau de douche sur le... Que ça tombe sur son visage de face. C'est la lumière la plus simple. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va régler l'inclinaison du flash. Et ensuite, l'inclinaison du trépied avec cette molette. Hop. Voilà, on ferme. Et après seulement, tu le montes. Et après, on monte. Parce que sinon, on va se retrouver... À bout de bras, essayer de... À vouloir faire des choses comme ça, alors que non. On travaille déjà sur l'inclinaison du flash. Et ensuite, on vient tranquillement monter. On commence par là, par cette partie-là, la partie haute du trépied. Et ensuite, on pourra réajuster avec la partie basse. Avec la deuxième, ok. Voilà, par exemple, là, exemple tout bête, c'est que j'ai pas allumé le flash. Donc celui-là, il marche sans fil, sans alimentation, mais avec batterie. Il y a une alimentation qu'on peut brancher, mais il y a une batterie également. Donc si jamais il ne s'allume pas, c'est qu'il n'y a plus de batterie. Exactement. Ça nous amène à la deuxième partie. Alors, comment connecter le flash à l'appareil photo? Bon, déjà, il faut avoir un appareil photo. Et ensuite, on a besoin du déclencheur. C'est ça qui va permettre la liaison entre notre appareil photo et le flash. Il se place ici, au-dessus de l'appareil photo. Hop. Et après, pareil, on sécurise pour éviter qu'il tombe. Hop. Donc ça, c'est le déclencheur qu'il y a au studio. Ça, c'est le déclencheur qu'on garde au studio, que chaque photographe pourra utiliser. D'accord. Et si un photographe vient avec son déclencheur à lui, ça va fonctionner? Ça va fonctionner. Il suffit juste de comprendre les principes qu'on va voir là juste après. Mais une fois que tu connais ces principes-là, tu peux ramener ton déclencheur. Peu importe la marque, que ce soit Godox ou pas. Ouais, peu importe la marque. Hein. Il faut juste que ça soit compatible avec ton appareil photo. On l'allume. Alors, ce qui est important de connaître, c'est d'abord les chaînes, donc il y a les chaînes et les groupes. C'est juste ça qu'il faut savoir. On peut voir ici, on est sur la chaîne 11. Chaîne 11, ouais. Okay. On est sur la chaîne 11. Voilà, on reste appuyé ici sur ce bouton-là, groupe et chaîne. C'est pour gérer le groupe et la chaîne. Et la chaîne. Okay. Un appui long, on peut voir qu'on a sélectionné la chaîne. Et là, effectivement, on peut changer. Généralement, je vais mettre sur la chaîne 1. Voilà. Et on va prendre le groupe A. Pourquoi il n'y a pas seulement juste une histoire de chaîne, mais qu'il faut en plus régler le groupe? Parce que sur une seule chaîne, on peut placer plusieurs flashs. D'accord. Donc les flashs, les différents flashs, ça va être les différents groupes. Donc du coup, là, on va partir sur la chaîne 1, on va mettre le groupe A. Mmh. Donc là, il faudra mettre la même chaîne et le même groupe sur tous les flashs? Pas sur tous les flashs. Par exemple, sur la lumière principale, je vais le mettre dans le groupe A. Ok. Ensuite, par exemple, ma lumière sur les côtés, ma backlight, par exemple, je vais mettre le groupe B. Mmh. J'ai peut-être besoin d'une autre lumière sur un côté, par exemple, je vais l'appeler C. Et du coup, je vais venir gérer ici avec mon... Donc, en fait, si je comprends bien, le photographe, il choisit sa chaîne, mais après, il a le luxe de pouvoir déclencher tel ou tel flash. Exactement. En actionnant tel ou tel groupe. En fait, c'est ça, c'est exactement ça. Dans la chaîne, il y a différents groupes. Et quand tu choisis par exemple la chaîne 1, eh ben, je contrôle tout ce qu'il y a dans la chaîne 1. Le groupe A, le groupe B, le groupe C, jusqu'à E carrément. Okay. De A jusqu'à E. Et pareil, si de l'autre côté il est sur la chaîne 2, eh ben, il contrôlera tous ses flashs de l'autre côté. Et lui-même, il pourra avoir ses groupes A, B, C, D. Exactement. Voilà. Ok. Ok, d'accord. Et quel est l'intérêt du coup pour un photographe de pas mettre tout sur le même groupe? Tout simplement pour pouvoir mieux maîtriser sa lumière. Par exemple, j'aurais besoin de la lumière principale qu'elle soit plus forte que les lumières sur les côtés, par exemple. D'accord. Et ben alors dans ce cas-là, je vais gérer ma lumière à ce que je contrôle d'abord la lumière principale et ensuite je réajuste avec les lumières sur les côtés. Si on laisse tout sur le même groupe, et ben on aura la même puissance partout et on pourra moins gérer la lumière. Ici, j'ai mis la chaîne 1 et le groupe A. On reste appuyé ici. Sur le bouton ZM Channel. Voilà. Ok. Voilà, ça, on a sélectionné les chaînes et après on va sur la première chaîne, d'accord. Chaîne 1. Et effectivement, on a le contrôle sur tous ces groupes, d'accord. A, B, C, D jusqu'à E. Et là, par exemple, je réappuie sur mode pour choisir mon mode. Mm-hmm. Le mode, c'est là. Mode manuel. Là, je coupe le flash. Là, c'est en mode automatique, mode DTL. Là, c'est en mode manuel. Et ensuite, je gère ma puissance. Là, on peut voir que. Par exemple, là, avec la molette, ouais. Ouais, avec la molette on gère la puissance. Là, j'ai mis au plus puissant. On peut voir sur le flash. 1 sur 1, c'est le plus puissant. C'est le plus puissant. D'accord. On peut voir sur le flash qu'on a 1 sur 1.
Et regarde quand je modifie. Ah, ce que tu modifies sur ton déclencheur va modifier sur le flash. Exactement. Une fois que on est synchronisé sur la même chaîne, sur le même groupe, on peut commencer à modifier. Si tu modifies ici, ça modifie là-haut. Directement. Ok, super. Ah, et je peux le faire ici manuellement si je veux. D'accord. Et là, ça changera sur ton déclencheur ? Exactement. Ok, très bien. Donc là, avec une lumière en douche sur mon sujet, on peut shooter. J'ai pas besoin d'autre lumière. Non. Juste avec cette lumière-là, on peut commencer à faire pas mal de choses. Et après, on peut rajouter des accessoires, un drapeau sur le côté, un réflecteur pour pouvoir réfléchir la lumière. On peut couper la lumière, on peut faire plein de choses. Avec une seule lumière, tu peux faire énormément de choses. D'accord. T'as pas besoin de te mettre 40 000 flashs. Franchement, c'est quelque chose qui sert à rien. Déjà, si tu maîtrises la lumière avec un seul flash, si tu arrives à la maîtriser, c'est déjà une bonne chose. D'accord. Ok. Par exemple, là, maintenant, comment savoir si on l'a bien placé sur son sujet là, je le monte à quelle hauteur à peu près ? Tu le montes à peu près... Après, franchement, ça, tout dépend du rendu qu'on veut. Mmh. C'est toi qui gères ta lumière. Réellement, tu vas faire des tests, tu vas ajuster la puissance, l'inclinaison, le recul, ça, tu pourras ajuster après. Mais en partant sur ça, tu peux avoir quelque chose... Avec juste ce simple schéma-là, tu peux avoir quelque chose de propre. Je vais juste prendre ce petit modèle, comme ça, on pourra justement s'entraîner. Voilà, donc voilà notre sujet. Par rapport au sujet, du coup, je vais devoir modifier un petit peu ce que j'ai fait. D'abord le premier, et ensuite le deuxième. C'est quand même assez éloigné du sujet, quoi. Ouais, pas tant que ça, en vrai, parce que le sujet, il est là, la lumière, elle est juste là. On peut aller encore plus loin, si on veut. Est-ce que, effectivement, les lumières qui sont, par exemple, au plafond ou ici, est-ce que j'ai besoin de les couper pour faire mon shooting ou ça peut totalement rester allumé Justement, ce que je disais, c'est que ça peut totalement rester allumé. Mmh. Mais c'est juste qu'il faut comprendre le principe de la lumière pour pouvoir justement les neutraliser. Avec l'ouverture, avec la puissance du flash, arriver à neutraliser cette lumière-là pour que sur notre photo, il nous reste uniquement la lumière du flash. Après, bon, ça demande une autre vidéo pour expliquer encore un peu plus en profondeur. D'accord. Mais voilà, juste à gérer ce paramètre-là, mais on peut commencer à shooter là. Voilà, on peut très clairement voir qu'on est surexposé là. Du coup, il suffit juste de sélectionner notre flash, de baisser la puissance et ensuite retester une deuxième fois. Là, bon exemple, on est sous-exposé. Je choisis une puissance un peu intermédiaire. On arrive à quelque chose d'intéressant. Voilà, là on est bien. Et là on peut voir les réglages ISO 200, la vitesse 1 sur 200. On est à f11, 500 mm. Donc là par rapport à mes réglages de boîtier, général. Si je suis sous-exposé, j'augmente la puissance de mon flash. Si je suis surexposé, je baisse la puissance de mon flash. Exactement. Je ne vais pas toucher au réglage de mon boîtier en fait. Je règle que mon flash. Tu règles que ton flash. Ok. Et il faut savoir qu'en studio, l'idéal c'est d'avoir ISO 100. Comme ça, on a la meilleure qualité d'image. Bon, on peut quand même aller jusqu'à 200, 300, on peut quand même aller au-delà. Mais l'idéal, ça serait de rester à 100 et juste de gérer avec le flash, en fait. D'accord, donc je mets mes ISO au plus bas. Les ISO au plus bas. Pour une meilleure qualité d'image. Voilà. Et tout se règle au niveau du flash. Tout se règle au niveau du flash. Il faut juste savoir qu'il ne faut pas aller au-delà de 250 en vitesse, parce que sinon, on risque d'avoir un espèce de trait sur la photo. Ma photo va être prise même plus rapidement que mon flash. Exactement. Et on va voir un peu. Et on va voir une partie de la photo qui n'est pas... Généralement, les gens me demandent, mais pourquoi j'ai ce trait sur la photo ? C'est parce qu'ils ont dépassé en fait la vitesse autorisée. Il faut bien le savoir. C'est une règle très importante à savoir en studio. On peut aller jusqu'à 200, 250 maximum. Au-delà, il peut y avoir un espèce de trait sur ta photo. Avant même de poser mon sujet, je me mets déjà à 1 sur 200. 1 sur 250 en termes de vitesse. ISO, je vais à 100. Comme ça, on est tranquille. On parle plus de ça. Les ISO au plus bas et la vitesse à maximum 250. Exactement. On parle plus de ça. Et ensuite, je place mon sujet, je place mon flash et je commence à faire mes tests. Et maintenant, j'aurai plus qu'à juste à modifier la puissance de mon flash et on sera bon. Merci beaucoup, Monsieur Bocchetou. Je t'en prie. Voilà, avec ceci, on est sûr et certain que vous pouvez vous débrouiller tout seul quand vous venez au studio, même en étant le plus grand des débutants. Si vous venez, vous savez comment vous débrouiller et plus personne ne se ridiculise devant son client.
si vous avez un niveau plus intermédiaire, voire professionnel. Si jamais vous avez davantage de questions qui n'ont pas été abordées dans cette vidéo, sachez que cette chaîne YouTube est remplie et sera remplie de vidéos qui vous permettent d'en apprendre plus sur la photographie de studio. Et bien sûr, on est vraiment friand d'avoir vos retours dans les commentaires pour être encore plus précis sur le type de vidéo qu'il va falloir que l'on fasse pour que vous puissiez progresser dans la photographie de studio. En tout cas, vous êtes les bienvenus au LFS Studio, un studio vraiment polyvalent dans lequel vous pourrez shooter sur des fonds de couleur, sur un décor moulure type appartement haussmannien, dans un salon, dans une salle de bain moderne et plein d'autres surprises qui sont à venir. Vous trouverez tout ici qui pourra répondre à votre besoin et combler les attentes de votre clientèle. On vous dit à très vite au LFL Studio. Allez hop, c'est bon. On va me casser les pieds.